Oh, je suis choqué, hein. Je suis choqué, 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 choqué. Oh, mais attends, faut être choqué, hein. Oh, va de juice. Elle n'a pas de coller, Picardie, ça n'existe plus. Non, là d'où que je suis né. Là d'où que j'ai grandi, d'où que j'ai appris à bien parler le français comme il faut. J'ai disparu. Tout a disparu. C'est une catastrophe. Maintenant, maintenant ça s'appelle les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France. C'est n'importe quoi. Attends, donc on est devenu les Hautains de France alors, hein, c'est ça? C'est nul quoi. Alors, on peut plus dire ch'ti de schnorr, pas de colère, pareil. Non. Maintenant j'ai plus ch'ti, j'ai fini, hein. Mais je suis celui des Hauts de France. Celui-ci, s'il te plaît, hein, celui-ci, celui-là des Hauts de France. T'imagines, t'as bienvenue chez les ch'tis, Michel Galabru? Le pauvre, au lieu de dire c'est le Nord, il aurait dû dire c'est les Hauts-de-France. C'est n'importe quoi. Là, je suis retourné d'un schnorr, pas de coller, depuis que ça a changé de nom. Là, je viens de retourner. Je suis pour Viremmer. Viremmer. Eh ben, je ne l'ai pas retrouvé. Mais je sais plus d'où qu'elle habite. En remontant d'un schnorr, j'ai tout raté. J'ai raté le Picardie, j'ai pas trouvé le pot de collet, et j'ai perdu le schnorr. Il n'y a plus de panneau. De Chorat de Paris, il y a un panneau géant. Les Hauts-de-France. Et après, plus rien. Je me suis retrouvé dans un endroit paumé, j'ai dit perdu, j'ai perdu. J'ai revisé ta mère d'un schnorr d'un Hauts-de-France. Et je suis perdu. Anciennement, Norbert-Collet Picardie, chez Douc. Non, tu t'es trompé, c'est pas ici, dis. Hein. Elle me dit, merde, je me traite trop, dis donc. Je suis en Belgique ici, chez Chéchon. Elle me dit, non, attention, ça ne s'appelle plus en Belgique ici, hein. Ah bon, de Dieu, mais comment ça s'appelle maintenant? Notre grande Belgique s'appelle le royaume du dessus des Hauts-de-France. Ah bon, les. Attends! Oh mon Dieu! Alors, du coup, les Hauts-de-France, c'est en dessous, alors? Je me dis, oui, c'est ça, oui, c'est tout à fait ça. Donc, je suis redescendu vers le bas pour retrouver le haut, le Hauts-de-France, et je me suis encore plus paumé, dis donc, j'en pouvais plus. Oh, du coup, en pleine nuit, j'ai appelé mère, au moins, elle a toujours le même téléphone. J'ai dit, maman, t'es douc? Elle m'a dit, je sais rien. Je dis, mais t'es d'où que t'habites maintenant? Elle m'a dit, ben, j'en sais rien, mais non plus, mais. Ah, je suis toujours au même endroit, hein, j'ai pas bougé. Mais comme tu as changé de nom, je suis paumé, mais aussi. Alors, je sais pas qui c'est qui a pondu ces noms, là, les Hauts-de-France, ou les Schnorr, pas de coller, Picardie. Mais franchement, il a pas dû se fatiguer le cervelle avec les études, hein. Les Hauts-de-France, en plus, ils ont changé les noms des autres régions aussi, hein. Ah ouais, c'est Boubours, là, attends. Parce que là, je vais partir en tournée avec ma nouveau spectacle, hein, et ben, on est paumé, hein. Même le GPS, est paumé, hein. Et parce que au début, avant l'Olympia, je vais aller à. Alors, attends, il y a les Hauts-de-France, après, je vais aller là-bas, là, dans la région, ça s'appelle maintenant la région du côté de France. Et après, il y a la région de l'autre côté de France. Et puis après, je finis la région d'en bas de France. Et puis après, je finis au milieu de France, là, d'où il y a l'Olympia. Ça s'appelle plus l'île de France, ça s'appelle le milieu de France. J'ai aussi joué sur l'île qui s'appelle l'île de la région de France et que de l'eau autour. Ça s'appelle plus la Corse, ouais. Et c'est comme ça, hein, les noms, toutes les villes aussi, c'est fini, hein. Le gouvernement, il a changé tous les noms de toutes les villes de France. Ils ont tous simplifié. Hein? Maintenant, il n'y a plus que trois villes en France. Il y a tout autour de la France, hein, sur les bords, il y a la ville d'où qu'il y a la plage. Vers la Suisse et l'Italie, il y a la ville d'où qu'il y a la neige. Et au milieu, il y a la ville où il n'y a rien, pas d'eau, pas de neige. Mais pour tout désigner aussi, ça va changer. Ils vont tout changer, le gouvernement. Ils vont simplifier là dès le mois prochain. Hein? Il simplifie tous les mots, les expressions, tout ça. D'ailleurs, on dira plus le mois prochain, on dira après. Là, par exemple, là, vous êtes assis, là, vous n'êtes pas assis sur un canapé. Hein, Michel Drucker, il n'est pas assis sur un canapé, il est sur un assis dessus. Hein, ouais, quand on écrit avec un stylo, c'est plus un stylo, c'est un écrit avec. Ça, c'est plus des poches, hein, c'est des range-machins.
Et ça, c'est plus des chaussures, ça, hein? J'ai des pieds dedans. Et puis ça, c'est plus des vêtements, j'ai des pots tout nus. Ah, ils avaient dit, hein? Ils avaient dit qu'ils simplifieraient l'école, l'histoire géo, la culture générale pour tout le monde, hein? Ah, ça nivelle par le bas, mais là, j'ai n'importe quoi. On est entouré de boubours, c'est de baboches, hein? Et ils font n'importe quoi, et ça, ça changera jamais de nom, hein? Donc maintenant. Ah, faut plus m'appeler Bilout de Schnorr Pas-de-Calais, faut m'appeler Danny de Boone des Hauts-de-France. Voici Élie.